Bonjour à tous, Women to Women International Ministry, c'est bien moi Nathalie. Dans notre programme, mais bon, c'est pas l'émission, c'est juste comme d'habitude, ce que je fais souvent dans mes programmes. Il aide, comme on dit à Lingala, Batamaboma, donc quelque chose comme ça. Dans notre programme, on parle de tout et de rien dans notre ministère. On parle de tout ce qui se passe dans notre communauté. Donc, il aide Batamaboma dans le sens que, comme vous le savez bien, il y a des marches pour l'élection présidentielle. C'est juste pour dire aux Congolais que je suis pour rien dans tout ce qui se passe comme les désordres au Congo. Je suis pour rien dans tout ce qui se passe dans la politique congolaise. Comme vous voyez bien, je vis ici à Londres. Mais pour ceux qui sont en train de m'insulter ou de salir ma réputation, donc si vous voulez avoir un autre président au Congo, c'est mieux de le faire appropriément. Je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de m'insulter ou je ne vois pas pourquoi vous êtes en train de salir ma réputation dans le sens là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a vu les marches dans notre communauté, pas seulement ici à Londres, mais dans d'autres pays aussi et au Congo. On a vu beaucoup de marches, rien ne se passe jusque-là. On a vu des marches, Kabila est toujours là au Congo, pour ne pas dire le nom. Rien ne se passe. Ça dirait aussi, avec toutes les marches que j'ai vues depuis j'ai commencé cette charité dans notre communauté congolaise. Donc si vous voulez vraiment avoir un autre président au Congo, c'est mieux de le faire calmement. Et arrêtez de m'insulter ou de salir ma réputation. Mais vous voyez, comme je viens de dire, il dit Batamaboma. Ce n'est pas en m'insultant que vous allez avoir un autre président au Congo. Il faut le faire calmement et poliment. Comme on dit, les enfants mal éduqués, c'est ça, ceux qui sont en train de m'insulter. Parce que pour avoir un président aussi, on veut avoir un président qui est bien éduqué aussi. On veut avoir un président aussi qui est responsable. Mais pour m'insulter, ça montre directement que c'est pas le bon moment, peut-être. Et on veut avoir un président qui sera là pour le peuple et non pour insulter les peuples. Comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir un président qui est mal éduqué au Congo. Donc c'est ça, comme on dit, il dit. Nous allons parler de plus sur ça. Women to Women International Ministry.